Salut tout le monde, ici Yakipon de retour pour Undertale, hein, voilà. Merde, je sais plus où c'est qu'il faut aller. Donc on essaye d'avoir la meilleure fin du jeu. C'est un peu compliqué, on est d'accord. Ah, c'est là. Tralala. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, je veux faire un petit trajet en bateau. Où c'est que nous allons aujourd'hui? Nous allons au Hotland. Alors nous y allons. Oui. Donc oui, nous avons fait des super spaghettis avec... Oh! D'accord. Les araignées ont une nourriture préférée, les araignées. Donc nous avons fait un peu de pâte avec... avec Undyne. Et maintenant, nous partons dans le laboratoire de Mademoiselle Alphys. Et croyez-moi, ça va être relou. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de réponse. Merde! Ah, je sais! On a oublié. Je sais ce qu'on a oublié. Faut qu'on aille à Snowdin parce qu'on a oublié. Oui! On a oublié d'aller voir Undyne parce qu'elle avait un objet à nous donner, je crois. Tralala. Bon, c'est pas grave. Bam, 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 bam. On approche de la fin, mais il reste quand même pas mal de choses à voir. Voilà. C'est où déjà chez... Non, c'est pas là-bas. Chez notre ami. Voilà. Alors, nous allons chez Papyrus. Ah, donne-moi ton objet. Hé, j'ai quelque chose à... Non. Hé, j'ai quelque chose à te donner! Mais tu portes trop de choses! Ah, c'est... Non, pas ça. Non, pas ça. Item. Nous allons jeter un starfait. Hop. Voilà. J'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu peux donner cette lettre à Dr. Alphys? Pourquoi je ne le fais pas moi-même? Parce que... C'est très personnel. On est amis, donc... je te le dirai. Les terres chaudes, c'est de la merde. Je ne veux pas aller là-bas. Donc tiens. Oh, et si tu la lis? Merci, tu es le meilleur. Voilà, c'est pour ça que je pouvais pas aller voir Alphys, c'est parce qu'il me manquait la lettre. Et bah allons-y, tranquillement. Oui, tralala, on va au Hotland. Allez, on est parti. C'est long ce bateau pour rien en plus. Bon, sans être forcément... sans faire trop de prédictions, je pense qu'on en a pour un gros épisode là. Ouais. Ça serait bien que je finisse le laboratoire dès aujourd'hui. En fait, je pense que je vais faire ça. Comme ça, moi, après... Ouh là là. Merde, l'histoire, oui. Donc, j'ai glissé la lettre sous la porte et j'ai toqué à la porte. Oh non, est-ce que c'est une autre lettre? Je ne veux pas l'ouvrir. Est-ce que je peux juste la remettre sous la porte? Non, je peux pas faire ça. Il faut que je la lise. C'est quelque chose de fort, n'est-ce pas? Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et si c'est une blague, eh bien... Oh mon Dieu! Est-ce que c'est toi qui as écrit cette lettre? J'étais en train de la... Ce n'était pas signé. Donc je n'ai aucune idée de qui... Oh mon Dieu! Oh non! C'est adorable! Et je n'avais pas... Je n'avais aucune idée que tu écrivais comme ça. C'est très surprenant. Après toutes les choses méchantes que je t'ai faites, je ne pensais pas être pardonné un jour. Meshless, ouais, sûrement. Et ça? Ok. C'est si passionné. Sûrement la façon dont on a écrit. Tu sais quoi? D'accord, on va le faire. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. Oui, faisons un rendez-vous. Rendez-vous début. Ok. Désolé, je suis en train de m'habiller.
Ouh. De quoi j'ai l'air? Mon amie m'a aidée à trouver cette robe. Elle a un très grand sens de toute façon, c'est pas grave. Faisons ça. Ouais, rendez-vous début. Hey, attends. En fait, on peut pas démarrer le rendez-vous maintenant. Rendez-vous stop. Et je vais te donner quelques... Quoi? I've gotta give you items to raise your affection. D'accord, elle va nous donner des objets pour augmenter nos chances de succès pour avoir un rendez-vous cool. Voilà. De toute façon, t'inquiète pas, je suis préparée. J'ai tellement entassé les cadeaux parce que j'ai anticipé un rendez-vous comme celui-ci. D'abord, j'ai du polish. Quoi? Du polish pour armure en métal. Peut-être que tu n'en as pas besoin. Mais j'ai aussi une crème Waterproof, bah oui. pour tes... Scales, je sais pas ce que ça veut dire, désolé. Scales. Et si tu avais besoin d'un... Quoi? d'un kit de réparage magique de lance magique, pardon. Que j'ai... Et n'oublie pas les objets. Et nous allons démarrer le rendez-vous. Oui, on va... Rendez-vous. Eh ben quoi? Mais pourquoi sur cette tête-là? Est-ce que tu aimes les animés? Oui. Et moi aussi. Oh non, pourquoi j'ai dit oui? Et si on allait autre part, je connais une... Non. Mais où c'est qu'il y a un bon endroit pour faire un rendez-vous? Je sais. Allons à la déchetterie. Oui, bonne idée, ouais. Oh mon Dieu, mais on y va vraiment en fait. Et voilà, nous y sommes. C'est là où Undyne et moi, nous venons tout le temps. On trouve plein de belles choses ici. Et elle est vraiment... Oh non! Elle arrive! Je ne peux pas la voir... Je peux pas... Non. Je ne peux pas la laisser nous voir en train de faire un rendez-vous. Pourquoi? Parce que... Oh non, elle arrive! Tu es là! J'ai réalisé que si tu donnais cette lettre, ça pourrait être une mauvaise idée. Donc je vais le faire. Donne-la-moi. Hein? Tu ne l'as pas? Est-ce que tu lui as donné? Oui. Oui! Donc elle est quelque part autour d'ici? Merci, je vais regarder. Oh mon Dieu. Je pense que c'est assez obvious, Claire. Hein? Je l'aime beaucoup. Je veux dire, plus que les autres personnes. Je suis désolée. Je viens juste de merde, I just figured. Je viens juste de me rendre compte. Que tu sais, ça serait cool. Tu veux dire, dans un certain moment de prétendre d'avoir un rendez-vous avec toi, tu sais, pour que tu te sentes mieux. Bon, ça sonne de pire en pire en fait, si je le dis comme ça. Je suis désolée, j'ai encore chié dans la colle. Undyne est la personne que j'ai vraiment envie de faire un rendez-vous avec elle. Mais je veux dire, elle est vraiment hors de mon atteinte, c'est-à-dire. Enfin, c'est comme si tu dis oh là là, je peux pas plaire à cette fille parce que je lui plairai jamais parce que je suis trop nul, quoi, en gros, quoi. Non, non, parce que tu es cool, tu vois, mais Undyne, elle est tellement forte, elle est tellement cool, et puis elle est tellement drôle. Et je suis personne. Je suis une fraude. Je suis la scientifique royale, mais tout ce que j'ai fait, c'était faire du mal aux gens. Et je lui ai tellement menti à elle aussi. Elle pense que je suis moins cool que je le suis vraiment. Non, elle pense que je suis plus cool que je ne le suis vraiment, pardon.
Et si elle arrive près de moi, elle va trouver la vérité. Et qu'est-ce que je devrais faire? Dis-lui la vérité. La vérité? Mais si je lui dis la vérité, elle va me détester. Mais est-ce que c'est pas mieux dans ce sens? Parce que vivre dans un mensonge où des gens sont heureux, ou une vérité où les gens ne sont pas heureux, ils disent « sois toi-même », mais je ne... Attends. Mais je ne sais vraiment pas qui je suis vraiment. Oh là là. Je ferais mieux d'être comme les gens voudraient que je sois. Non, tu as raison. Tous les jours, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver aux gens qui apprendraient la vérité de leurs propres moyens. Ils vont être tellement blessés à cause de moi. Mais comment je peux dire à un dingue la vérité? Je n'ai pas la confiance. Je vais encore tout foutre en l'air. Comment je peux faire pour m'entraîner? Obviously, let's roleplay. Roleplay? Oh, ça a l'air cool. D'accord. Qui va être Undyne? Je vais faire Undyne. D'accord, oui, c'est sûr. Salut Undyne, comment tu vas aujourd'hui? You're cute. Merci. Tu me le dis souvent, ça, et je sais jamais quoi répondre. Mais je sais que tu le dis platoniquement parce que nous sommes amis. J'aimerais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, je n'ai pas été très correcte avec toi, je t'ai pas dit toute la vérité. Tu vois, oublie ça. Undyne. Je veux que... Quoi? Je vais te dire comment je ressens. Tu es tellement brave et puis tu es forte et gentille. Tu m'écoutes toujours et tu me parles toujours de trucs un peu de geek. Tu fais toujours de ton mieux pour me faire sentir spécial. Comme dire que tu vas taper les gens qui seront dans mon chemin. Undyne! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus te le cacher. Je suis tellement amoureuse de toi. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? On était en train de... Wow, attends une seconde. Ta robe, elle est super belle. C'est quoi l'occasion? Attends une minute. Est-ce que tous les deux, vous êtes... en train de faire un rencard? Oui. Je veux dire... Non, merde, attends, c'est quelle voix, là? Je veux dire non. Je veux dire, on est là, mais en fait, on le fait pas, on fait du roleplay romantique avec toi. Quoi? Je veux dire, Undyne, je t'ai menti. Quoi? À propos de quoi? À propos de tout. Je t'ai dit que... Mais pourquoi ça passe tout seul? Mais ça passe tout seul, merde, j'ai pas le temps! Ça passe tout seul, merde! En gros, elle lui dit des trucs gentils, mais... Putain, mais j'ai pas le temps. En fait, elle lui raconte une fois où ils étaient en train de manger des glaces, qu'il y avait des livres et tout, mais... Alphys! Je voulais juste t'impressionner. Je voulais que tu penses que je sois cool et intelligente. Mais je ne l'étais pas, j'étais juste un loser, quoi. Alphys! Putain, mais... Tu es vraiment gentil, ok. Alphys! Qu'est-ce que... Alphys! Je pense que tu es cool toi aussi, je pense. Mais tu as réalisé que tout ce que tu as dit, je m'en bats les steaks. Quoi? Je m'en fous que tu regardes des cartoons ou que tu lis des livres d'histoire. Pour moi, tout ce stuff, c'est de la merde de geek. Mais...
mais ce que j'aime à propos de toi, c'est que tu es passionné. Et je m'en fous de tout ça. Quoi? It doesn't matter what it is, you can... Ah, et je m'en fous... Je m'en fous de tout ça parce que tu y tiens à 100% à, à la force maximum. Donc, tu n'as pas besoin de me mentir. Je ne veux pas que tu me mentes encore. Alphys, je veux que tu sois heureuse avec qui tu es. Et je sais que... Attends, I know just the training you need to do that. Et je connais exactement le parfait entraînement pour que tu fasses ça. Oh là là. Undyne, tu vas m'entraîner? Tu veux quoi? Moi? Oh non. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce bordel? Non, je vais juste laisser Papyrus le faire. Oh mon dieu. Secouez-moi ces os. On est parti pour faire du jogging, sans tour, et... Ou think about a graduate. Et on va te dire à quel point on est cool. Tu es prête? Je vais démarrer le chrono. Undyne. Je vais faire de mon mieux. Oh là là, mais ce bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu! Elle était en train de déconner, non? Ces cartoons, ces comiques, ils sont réels, parfait. Animés, ils sont réels, oui. Oui. Ah, je le savais. Oh putain, mais... C'est tête, quoi. Les épées... Merde. Les épées gigantesques, les princesses magiques, j'arrive. Merci pour avoir pris soin d'Alphys. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire ce que j'avais envie de lui dire, mais on dirait que les choses vont mieux pour elle. Bref, je vais les rattraper. Allez, à plus. Oh putain, c'est génial. Ah, enfin on bouge. Donc maintenant, nous allons... Si je dis pas de bêtises... Hop, déjà on va sauvegarder. Oh putain, c'est tellement n'importe quoi. C'est génial ce jeu. Ah. Hey, salut. Si ce n'est pas mon gros... Quoi? Si ce n'est pas mon meilleur ami qui me croit, pourquoi il dit ça? C'est Papyrus, tu sais, ton ami quoi. Alphys et moi, on a fini notre entraînement très tôt. Donc je l'ai ramené chez elle. Very homme, mais putain, pourquoi il dit ça? Donc maintenant, je pense fortement et pour aucune raison apparente que tu devrais aller là-bas. Tu sais, tout son laboratoire. Je n'ai que des bons sentiments de penser ça. A plus. Qu'est-ce, c'était quoi? C'était le dialogue le moins construit au monde. Désolé pour le reniflement, mais... Donc nous allons au laboratoire. Non, pas Snowdin. Ah, tu m'étonnes qu'après mes épisodes ils sont longs quand je fais n'importe quoi. Tralala, trilili, trololo, d'accord, mais pourquoi pas. Ah là là, mais Alphys et l'autre quoi, mais c'est n'importe quoi leur histoire d'amour à la con. Oui, je veux aller au Outland, voilà, merci. Allez, on est parti. Oui. Le chat bateau, quoi. Tralala, nous allons au Temi Village. Ah, on n'y est pas allé au village des Temi. C'est pas grave, c'est juste un village en plus. C'est cool, mais je voyais pas l'intérêt de vous le montrer, en fait. À part vous casser les oreilles avec une musique insupportable. Voilà, nous sauvegardons. Voilà, nous allons au laboratoire. Allez, où Alphys? Bon, ça, c'est le trou qu'a fait mes tâtons. C'est quoi, ça? C'est une note. Je vais la lire, oui. C'est difficile de lire parce que... À cause de l'écriture, mais tu essayes de ton mieux. Ah, merci de m'avoir aidé. C'est vraiment gentil de m'avoir supporté, en fait. Mais c'est difficile de dire ça. Vous autres, vous ne pouvez pas régler mes problèmes, donc...
Je veux être une meilleure personne et je veux pas avoir peur, donc pour ça, je vais faire face à mes propres erreurs et je vais le faire à partir de maintenant et je veux être clair. Ce n'est pas votre problème mais le mien, donc si vous n'entendez plus parler de moi, je veux que vous sachiez la vérité. Il faut que vous ouvrez cette porte au nord de cette note et au moins vous aurez toute la vérité. Voilà. Ok, bon, donc nous y allons. Allez, petit ascenseur là, au KLM. Putain, il est court celui-là. Oh mon Dieu! Ça m'a fait tellement peur! D'accord, donc on est en train de tomber. Ok, l'altitude est en train de tomber. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Bon, on est tombé. Je crois qu'on est mort. Fin du jeu, voilà, c'était ça la vraie fin, c'est nous. Non, je déconne. Mais putain, on a survécu à ça. Bon, on est où là? J'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire. Voilà. La musique est sympa. Bon, il y a 4 boutons, donc j'imagine qu'il faut activer 4 trucs. Surtout de couleurs différentes. C'est une table d'opération et ça colle. D'accord. Oh, je peux ouvrir tous les robinets. Qu'est-ce que c'est? Oh God! Qu'est-ce que c'est? Drounir. A. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Celle. Je sors mon téléphone et tu peux entendre des voix à travers le. Il faut que j'aille voir le fun. Oh God! Ah, c'est des memory aids, d'accord. Bon, bah je join. Mais ils ont dit de join the fun et généralement faut écouter ce qu'ils disent les méchants. Non, je peux rien faire. Merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, la musique est vraiment géniale. Et si je refuse, ça fait quoi? Ah, merde. Ah, super. Yes. Ouf. C'est quoi? Une clé rouge. Ah oui, bon, ben, il faut... Ok, et ça c'est quoi? Clic. Donc la clé va parfaitement dans le trou. Ah ok, bon bah il faut que je trouve les clés, il faut que je trouve en plus les serrures. Bon bah soit. Bon bah c'est parti, plus que 3. Putain, ce monstre était bizarre. Mais il était facile à tuer. Ah ouais, voilà, j'ai activé le rouge. Bon bah on va tout activer. Y'a un lit. Ah ouais, je veux me mettre dessus. Ça fait quoi? Qu'est-ce que... Mais c'est quoi? Mais c'est super flippant. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est son zizi? Non. D'accord. Ok, donc on dort et il nous a fait pas de pâtes. D'accord, ok, c'est bizarre. D'accord. Ah! Il y a quelque chose sous le lit. Très bien. On va sauvegarder. On sait jamais. Bon, on va aller là. Je sais même pas où je vais, quoi. Il y a quoi là-bas? Il y a un bouton. Oui, un bouton. Ah merde, sacré monstre, ok. Mais apparemment, c'est les monstres qui me donnent les clés ou un truc du genre. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est bizarre. On va pète. Ah, il est trop loin.
Qu'est-ce que... Ok. Donc si... Ah putain, c'est comme le chien en fait. Donc il faut que je l'appelle. D'accord, ça vient vers nous. Et il y a un liquide étrange qui coule de l'orifice. D'accord. Donc maintenant qu'il est prêt, je peux le pète. Ok, donc je les pète, il convulse et après il se calme. Oh là là, c'est tellement flippant. Et il s'endort. Et donc maintenant, il tire des choses et il grimpe au mur. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, toujours pas. Donc il faut que je joue avec, peut-être. Ok, donc on lui a lancé un truc et on... En fait, on joue à attrape le machin et voilà. Merde, ça fait deux fois que je me fais avoir. Ok, non. S'il faut que je l'ignore. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, merde. Attends, tu putes... En plus, il tape fort. Mais il est en train de décéder, le machin, là. Est-ce qu'il faut que je répète? Oh là là, mon dieu, mais il devient complètement taré. Et je vais mourir. Hop là, non. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah! En fait, il y avait 5 chars, d'accord. Ok, donc fallait le péter plusieurs fois. Wow! Et elle est où, ma clé? Mais ma clé, moi je veux une clé. Bon, ben peut-être qu'il fallait activer absolument la soufflerie pour autre chose, mais c'est bizarre. Bon, on va voir là-bas. Putain, mais c'est super flippant le truc, quoi. Il y a une porte. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas. J'ai du mal à avancer. C'est encore un zizi, quoi. Mais ça suffit, les zizi. D'accord, il y avait juste une clé. Bon, ben, why not. Ok. Voilà. Nous allons là. Ah, là, il faut la clé jaune. D'accord. Ouais. En plein milieu, c'était bizarre, quand même. Hein. Oh là là. Alors... Oh, il sent comme des citrons. Bon, alors, le pain de citron, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Welcome to my special L. Ok, d'accord. Ah! Bon. Ok, alors lui, il va être chaud. Mais oui, je sais, dans le close-up. Waouh, lui, il était bizarre, lui. Oh merde, me faut refaire lui ou pas? Non, j'espère pas. Ça va sauvegarder? Ouais, très bien. Ah, ça, c'est cool. Comme ça, moi, j'ai juste une clé à récupérer. Et après, je vais voir le monsieur Zeref. Bon, alors, le zizi, le retour. Enfin bon, si un jour, il y a un mec qui a un zizi comme ça, appelez-moi, quoi. Parce que c'est quand même bizarre. Je sais pas ce que c'était, mais... C'est le fantôme qui m'a... Bonjour. Bon alors, lui, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Parce qu'en plus, je peux même pas... Il faut que je choisisse et on va faire ne pas faire un câlin, quoi. Je sais pas, c'est celui qui m'attire le plus. Ok. Ça sent comme les citrons. Est-ce que je vais pleurer? D'accord. Reste avec moi. J'ai pas envie. Tu es bizarre, monsieur. Je tryhard, hein, je vous le dis. Donc ça ne marche pas. Donc peut-être flex. Ouh. Oh, la musique, quoi.
Voilà. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Quoi? D'accord, bisous. Ouais, j'ai gagné. Bon, bah, ok. Elle est où la clé jaune? D'accord, c'est un frigo. Ok, alors là. Mais il bougeait? Mais pourquoi il dit qu'il est vide? Oh putain, il m'a fait peur! Oh là là! D'accord, c'est tellement froid. Mais c'est quoi ces musiques, quoi? Ok. Ah, me souviens. Mais. On va rire. D'accord. Snowy. Mais. Pickle. Tu dis quelque chose genre tu es horrible. Pourquoi tu es aussi vivant quoi? Mais t'as jamais dit ça. Ok, alors il se passe un truc bizarre là. Check. Seems like he's losing his... D'accord, je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. C'est vraiment flippant en plus. Non, j'ai rien fait donc. Je refais une blague? Ah ouais. Apparemment il est content là. C'est ce qu'il fallait faire? Fallait faire deux blagues? Non. Et si je refais une blague? Apparemment, je l'ai calmé. D'accord, fallait lui faire trois blagues. Je n'ai rien compris, maman. J'ai trouvé la clé bleue. Ah, j'ai la verte. Donc ça, c'est bon. J'ai toujours pas trouvé la jaune, elle est où? On me dit pas qu'elle est en bas. Ce frigo qui bouge, il me fait flipper. Où est la jaune? Parce que la jaune, faut la mettre là, on est d'accord. Et c'est sûr, je ne l'ai pas? Mais si, je l'avais! Oh, mais quel imbécile! C'était celle qu'on avait trouvée dans le lit. Vous vous souvenez? Bon, maintenant, il faut juste que je trouve la serrure bleue. Donc, elle doit être là-bas. Là. Vu qu'on n'est pas allé là. Il y a des fleurs jaunes. D'accord. Qu'est-ce que... Ok. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu! Je me souviens de ce... C'est une virgule. Il a l'œil de machin, donc si je le piconne... Oh mais ok. Qu'est-ce que... Mais what the fuck? Il est en train de se faire manger la tête. Mystify. Je sais pas. On va toutes les essayer de toute façon, je pense. Je me suis lavé les mains. Ah non, c'était pas le me laver les mains, je me souviens quel mob c'était. D'accord, bon, mais j'ai tout testé, ça fonctionnait, écoute. Oui, le bleu. Donc, j'ai fini. Ok. Donc, en fait, j'ai fini le laboratoire plutôt vite, je trouve. Enfin, je pense que j'ai fini, vu que j'ai fini les 4 boutons. Je pensais que le laboratoire me ferait beaucoup plus peur. Et c'est moi où le drap, là, il tombe de suite. Ah, c'est flippant. Oh là là. Voilà. Elle est où la porte d'entrée? Déjà. Elle est là. Ok. Ouais, la porte. D'accord, il n'y a pas de power, de... Il n'y
Y a pas d'énergie dans la porte. Bon, ben nous allons là. Cool, le générateur. Oui, je veux remettre l'énergie pour pouvoir monter. Qu'est-ce que... Ok, donc maintenant j'en ai 4 à buter. Bon, allez. 4, ça va être chaud quand même. Et attendez, stop. Mon dieu, c'est le fils. Et je vous ai donné... Je vous ai trouvé de la nourriture, ok? Ok. Bon, d'accord. Désolé à propos de ça. Ils sont un peu chiants quand ils ne sont pas nourris à temps. Dans tous les cas... Le power, putain, mais c'est dingue. L'électricité, voilà. L'électricité s'est barrée et j'ai essayé de venir la remettre. Mais on dirait que tu as un coup d'avance sur moi. C'est probablement une grosse inconvénience pour toi. Mais j'apprécie que tu sois venu ici pour me porter courage. Comme je l'ai dit, j'avais peur. Et je pensais ne pas revenir. Mais ce n'est pas à cause d'eux, hein, ne t'inquiète pas. J'étais juste anxieuse. Et je ne voulais pas avoir peur. De dire la vérité. Je pourrais peut-être partir et courir, m'enfuir. Mais comme une lâche. Ça y est, j'ai retrouvé Coward, ce que ça veut dire, quoi. Et je suppose que je te dois une explication. Comme tu le sais, Asgore m'a demandé d'étudier la nature des âmes. Oh là là, l'histoire là. Pendant mes recherches, j'ai isolé un pouvoir qui s'appelle la détermination. Je l'ai injecté dans des monstres mourants pour que leurs âmes puissent traverser la mort, enfin, ouais, un truc du genre. Mais les expériences ont raté. Tu vois, comme les humains, en fait. Les monstres... Ouais, c'est ça, c'est... Tu vois, contrairement aux humains, les monstres... Les corps des monstres n'ont pas assez de matière physique pour prendre cette concentration de détermination. Leur... Oh merde, c'est dégueulasse. Leurs corps ont commencé à fondre et ils ont perdu... La physicality, c'est-à-dire leur physique, peut-être. Juste après, tous mes sujets de test ont fondu ensemble et cela, ben, les voir comme ça, je savais que je ne pouvais pas dire à leur famille ce que j'avais fait. Donc je ne pouvais le dire à personne, même si tout le monde me demandait ce qu'ils devenaient. Et j'avais tellement peur de... Et j'avais peur de faire plus de travail, sachant que tout ce que j'allais faire était un horrible échec. Mais maintenant j'ai changé mon avis à propos de tout ça. Et je vais dire à tout le monde ce que j'ai fait. Ça va être difficile, mais être honnête et croire en moi-même. Je suis sûr que... I'm sure there will be time... There will be time... Je suis sûr que je vais en ramer. En gros. C'est pas du tout la bonne traduction, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je dis. Je suis sûr que... Il y aura encore des jours où je vais encore tout foutre en l'air. Mais sachant qu'au fond de moi, j'ai des amis pour me consoler... Et je sais que ça va être beaucoup plus facile de faire ça de moi-même. Merci. Allez, on y va, les amis. Il faut que vous rentiez tous chez vous. Ok. Ben, partons de là, alors. Bon, ben, si on a fini, tout le monde est content. Regarde les petits smileys. Ah, téléphone. C'est une voix que vous n'avez jamais entendue auparavant. Yaki, est-ce que tu es là? Ça fait un long moment, pas vrai? Tu as fait de bonnes choses. Grâce à toi, tout a été... Everything has fallen into place. Ok. Yaki, j'espère qu'on te voit bientôt. Oh là! What the fuck?
Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah! Ça m'a amené vers Asgore. Et il est où le point de sauvegarde? Il me faut absolument un point de sauvegarde. Parce que je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Et comme ça, au moins, la semaine prochaine, on se retrouvera avec l'ultime vérité. On va appeler ça comme ça. Ça serait mieux. Mais par contre, j'aimerais bien un petit... Ouais. Juste un tout petit truc pour sauvegarder, s'il vous plaît. Parce que là, j'avance vers Asgore et... Et il y a déjà tout qui est ouvert. Je me fais un peu caca dessus. En plus, il n'y a pas de musique. Hein, mais non, ici, il y avait de la musique, je crois. Quand on est revenu la deuxième fois. Enfin, je sais plus. Mais ouais, un petit truc de sauvegarde. Ou sinon, je vais devoir couper en deux l'épisode sans sauvegarder. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons voir. On va voir jusqu'où ça mène et... Et voilà, tout simplement. Donc nous retournons vers Asgore. Sauf que Asgore, on l'a tué, il est mort, non? C'est ça que j'ai pas compris, en fait. S'ils te disent, ouais, vas-y, va débloquer la meilleure fin, il te manque des choses à gérer. Donc moi, je veux bien. Ouais, donc on a plus besoin d'être jugé, apparemment, vu qu'il y a plus, il y a plus sang. C'est vraiment un point noir de l'histoire, à mon goût. Je ne comprends pas... pas ce qu'il me reste à faire, mais... Bon, ben, je crois que je vais devoir couper en deux. Je pense. Ou à moins que le jeu ait sauvegardé de lui-même. Comme on l'a vu tout à l'heure quand je suis mort contre le monstre. Bizarre là. Avec la mâchoire. Le monsieur au citron. Bon ben je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va couper ici. Là, juste devant. Là. Voilà, juste devant la porte. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode. Là, c'est sûr et certain. La dernière fois, bon, je vous ai fait une petite blague. C'était juste le début de la vraie fin. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et enfin nous allons finir Undertale. Allez, de gros bisous à tous, ciao ciao.